bonjour à tous. Nous sommes ici à Clermont-Ferrand pour la première rencontre de notre grand road trip. Il s'appelle Sylvain Morera. Il est expert en chaussée auprès du ministère de l'écologie et surtout, il travaille dans un centre d'études nommé CEREMA. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour Sylvain. Bonjour Florian. Alors c'est quoi exactement le CEREMA? Alors le CEREMA, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, les aménagements. Alors j'imagine que vous devez faire pas mal de tests. Oui, on réalise beaucoup de tests sur des carottes comme ça, mais aussi sur chantier. Le CEREMA de Clermont-Ferrand dispose d'installations uniques pour surveiller l'état des infrastructures routières, pour analyser l'impact du climat. Cela permet également de réfléchir aux enjeux environnementaux. Nous à Clermont, en fait, on a la chance d'avoir un matériel qui permet de faire des tests de gel sur les enrobés. Alors du coup, ça se passe comment ça, avec ça? Ouais, alors en fait, on prend des carottes d'enrobés comme ça, on met des jauges pour regarder leur déformation, et puis on vient utiliser un casque qui va amener du froid. On branche ça sur ce qu'on appelle un cryomètre, ça produit du froid, et le froid va descendre dans l'enrobé. Il va faire geler l'enrobé, et puis on va faire des cycles, gel, dégel, et en fait l'enrobé va gonfler. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir regarder la sensibilité d'un enrobé donné par rapport au gel. Le CEREMA fait aussi de nombreux tests pour étudier la durabilité des routes. Alors ça, c'est un compacteur de plaques et on va s'en servir pour réaliser des éprouvettes comme ça, des corps d'épreuve qu'on va utiliser pour faire les essais de formulation qui permettent de dimensionner les routes et de regarder la durabilité à venir des enrobés. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir des collègues qui sont avec un consortium de recherche international et qui travaillent sur la sécurité des véhicules du futur. Donc on parle de sécurité, de la route du futur. Ouais, j'aime bien la recette. Michel, il y a du brouillard derrière nous. Là, qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Alors ici, on est dans la plateforme de recherche et développement du CEREMA qui est spécialisée dans la production de brouillard et pluie. C'est un équipement unique en Europe. Alors on pense à la fois à la route, mais à ses équipements. Et on se place dans une approche où on a un système qui est le véhicule, l'infrastructure et le conducteur qui doivent fonctionner ensemble. C'est ça le challenge pour avoir la meilleure sécurité des transports. Sylvain, honnêtement, merci beaucoup. C'était passionnant, on a appris plein de choses. Il y a quand même la tradition, c'est le petit mot de la fin. Alors, ça va être simple. Je vous donne le carnet, le stylo et le mot de la fin, c'est pour vous. Eh bien franchement, on a appris plein de choses et croyez-moi, il y a encore beaucoup d'autres rencontres à faire dans notre road trip. Je vous laisse parce que j'ai de la route. À très vite. Ciao.